c'est Henri Georges. Des fois, les gens s'embrouillent, ils m'appellent Georges Henri. Par exemple, monsieur Ramsès. Georges Henri, j'ai besoin de tes services. Monsieur Ramsès, je peux pas, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la nuit dernière. Je peux pas. Je t'attends chez moi, dans une demi-heure. Y a pas grand-chose qui puisse me faire sortir de mon lit en une demi-heure. Je suis fonctionnaire au bureau de recensement des personnes disparues. Autant dire que je travaille pas dans l'urgence. Mon boulot, c'est plutôt les enquêtes de routine. Fermer les dossiers. Rendre des comptes. Ramsès, c'est pas mon patron, mais je lui dois la vie. C'est avec son aide que je me suis procuré le générateur de motoneurones artificiels sans lequel ma moelle épinière serait en compote. Et moi... totalement paralysé. Peut-être pareil, ça pèse lourd. Pourtant, ce jour-là, si j'avais su ce qui m'attendait, je restais chez moi. J'aurais peut-être ramassé sur le dos, mais je gambaderais encore parmi les gens normaux. Que j'ai investi pour réactiver tes motoneurones. Et les résultats ne sont pas voyants. Parlons. Je suis là pour ça, monsieur. C'est que les grands projets ne me font pas peur. Tu as lu la Bible? Un peu, oui. Alors tu connais la tour de Babel? Celle que les hommes ont construite pour atteindre Dieu? Ouais, je crois, hein. Et tu sais que Dieu était si furieux de leurs ambitions démesurées qu'il fit détruire la tour. Oui, il a même semé la zizanie parmi les hommes et... depuis, il parle... des langues différentes. Eh ben, tu vois, tu te souviens. Cette tour... on a retrouvé il y a quelques mois les plans. Les plans, c'était ça. C'est quelques tablettes découvertes dans les décombres d'une bibliothèque d'Alexandrie. Je les ai achetés à prix d'or. Et j'ai décidé de faire reconstruire la tour de Babel. J'ai acheté le terrain. J'ai cherché le meilleur des architectes. On m'a parlé d'un certain Sartorius. Un type formidable, dit-on. Dès que je lui ai parlé de mon projet, il est devenu complètement fou. Il a mis tout son cabinet sur le projet. Il a fait construire une maquette. Il a démarré les travaux. Et un jour... plus personne. Regarde bien. C'est lui, Sartorius. Que je vous le ramène. La veille de sa disparition, quand il m'a salué, il a retiré sa main en criant comme si elle brûlait. J'ai tout misé sur cette affaire, Georges Henry. Je comprends, oui, je comprends. J'aime les types motivés, Georges Henry, tu le sais. Alors je vais mettre de côté un gage. Ta jolie petite boîte qui te sert à alimenter ta moelle épinière. Il y a un proverbe aztèque qui dit... que les humbles doivent rester humbles en toutes circonstances, oui. Ce salaud de Ramsès se fait des couilles en or avec un trafic d'organes humains. Avec tous ces trucs qu'on prélève sur des pauvres pour prolonger les régions. Quelques types comme moi. Tu sais ce qui t'attend si tu ne reviens pas avec les plans d'ici 48 heures? La paralysie totale. Lentement, la force musculaire diminue, des pieds vers la tête. Puis ce sont les sensations du toucher qui disparaissent, une impression d'engourdissement, comme si ton corps ne t'appartenait plus.
Ensuite, ce sont les muscles respiratoires, une asphyxie progressive. Enfin, quand le cœur s'arrête, le cerveau privé de sang meurt très rapidement. Mais c'est juste quelques minutes. J'ai rien à vous dire. Mon mari n'est plus là. Oui. Écoutez, il vaut mieux que ce soit moi qui le retrouve. Il recherche au musée des monuments historiques. C'est ça qui l'a transformé. J'arrivais plus à comprendre ce qu'il disait. Il parlait de cet archiviste, Henriette Fletcher, comme d'une divinité. Il délirait sur les écritures. Le châtiment de Dieu, lui. Mon mari n'a jamais été un mystique. C'est un homme concret. Un bâtisseur. Il n'a qu'à regarder ses mains. Les dernières semaines, nous n'avions plus de relations conjugales. À proprement parler. Il me révulsait. Il passait son temps là-dedans. Quelquefois, je me réveillais au milieu de la nuit. Je me retrouvais allongée sous les rayons. Un soir, je le désirais. Je m'approchais. Je l'embrassais. Je trouvais sa langue aussi insensible qu'un caillou. Et son haleine était glacée. Alors j'ai envoyé consulter un médecin. Il était malade. Le laboratoire nous a renvoyé ceci. Les cellules prélevées sur son épiderme étaient en pleine mutation. Les biologistes n'avaient jamais vu ça. Les mutations étaient si prononcées que je me suis demandé si cet homme avait encore quelque chose d'humain en lui. Sartorius avait les cellules en folie et le sang qui se caillait, mais il a quand même réussi à damer le pion à Ramsès. Et pour ça, je commençais vraiment à l'admirer. Sartorius, lui, admirait Henriette Fletcher. Je suis allé voir à quoi ressemblait cette spécialiste des vieilles écritures. Elle se souvenait très bien de lui. C'était un homme étrange. D'une froideur polaire. J'ai analysé les tablettes pré-acadiennes qu'il avait apportées. Elles étaient authentiques. Mais comment pouvez-vous être certaine de l'exactitude historique de votre expertise? Je ne peux pas me tromper. Ah bon? Vous êtes infaillible? Regardez. Un émetteur-récepteur spatio-temporel, à distance quasi illimitée. Grâce à lui, je communique avec les civilisations disparues. Ah, oui, je vois, oui. Elles vous disent quoi, les civilisations disparues? Qu'il n'est pas bon de se prendre pour des dieux quand on est de simples mortels. Quand je lui ai raconté le châtiment qui a frappé les architectes de la tour de Babel, Sartorius s'est figé de terreur. Je ne l'ai plus revu. Mais les tablettes, où elles sont? Il les a emportées avec lui. Là, j'imagine que vous avez alors demandé à vos correspondants de l'Antiquité où ils se trouvaient. C'est ça. Negomo. Teti povas, atsetu, toka, eshtok sekuvas pa, kekos, ateste movine kikidrunan, trasutido, miele, nimodi, yadu, nukine, povas atsetu, toka, eshtok sekuvas pa, trasutido, poneme. Le jour où je me suis mis à me poser des questions, c'est quand on a mis le dernier étage sur la maquette. On était dans son bureau. Il avait l'air tout drôle, là, tout chose. Alors j'ai mis la main là sur l'épaule. On aurait dit un bloc de glace. Il a sursauté. Il a regardé le plafond en disant « Ne me punis pas! J'ai payé! Ne me punis pas! » Mais il parlait à qui? Ben, je sais pas. Il était complètement disjoncté. Approchez rudement bien. Hein. Dans un an, on aura eu le bâtiment le plus gigantesque que les hommes aient jamais construit sur cette planète. Il devait donner l'ordre de construire les fondations, là. Où c'était? Là, derrière.
Ah, ils ont arrêté tous les travaux, hein. Un vrai gâchis. Quand j'ai eu cette vision, je me suis dit qu'on l'avait échappé belle. Vous voyez cette façade-là? Le mois dernier, j'ai vu Sartorius qui se frottait dessus. Bizarre, hein? Comment ça, se frottait dessus? Comme ça. Il se frottait dessus comme ça. Comme pour rentrer dedans. Siffler comme un serpent. Vous avez fait quoi alors? Je l'ai ramené en ville. Puis après, je lui ai conseillé d'aller voir un docteur. Un docteur un peu spécial. Mm-hmm. Ça fait plaisir. Moi aussi, j'avais peut-être besoin d'une consultation. En tout cas, ce psychiatre était ma dernière piste pour retrouver Sartorius. Et ce sentiment d'absence, vous l'avez depuis longtemps? Mon Dieu, docteur, le fou, c'est pas moi, c'est Sartorius. Intéressant. Très intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai hypnotisé. Vous l'avez hypnotisé? Allez, détendez-vous. Ne pensez plus à rien. Détendez-vous. Ne pensez à rien. Dormez. Dormez. Sartorius qui devait dormir. Alors il s'est endormi. Comme un enfant. Et j'ai vu. Vous avez vu? J'ai vu la racine de son mal. J'ai vu. De Ramsès, j'allais bientôt avoir de gros problèmes pour me bouger. Et j'avais pas l'intention de poursuivre Sartorius en fauteuil roulant. D'ailleurs, j'étais fatigué de déchiffrer les énigmes. L'homme glacé, la tour invisible, les civilisations perdues, tout ça. C'était bon pour une Henriette Fletcher. Après tout, c'était elle qui fréquentait l'éternité. Henriette savait, c'était évident. Moi, je n'avais plus beaucoup de temps à perdre. Je ne sais rien. Bouillez, merde ! Vous ne pouvez rien pour lui. Mais pourquoi ? Sartorius est un mutant. Alors vous me croyez, n'est-ce pas ? Ça dépend. Mon métabolisme s'est modifié en quelques jours. Sois plus précise. À l'heure actuelle, son état correspond à ce que seront les êtres humains dans plusieurs millénaires. J'ai été contactée pour l'aider à traverser cette épreuve. Depuis un an, j'ai des conversations télépathiques avec des civilisations disparues. Nos ancêtres. Ici. Alors? Et alors? L'autre jour après votre visite, je leur ai demandé si je devais vous aider à retrouver Sartorius. Parce que vous savez où il est? C'était comme si j'avais plongé dans un océan de lumière. J'ai eu un éblouissement. Et tout à coup, ils étaient là. Mais qui? Juste au-dessus de mon visage. Qui ça? Des entités extraterrestres. Un bon enquêteur ne néglige aucune hypothèse. Celle-ci me paraissait énorme. J'ai suivi les indications de cette folle. J'avais pas vraiment le choix. Il y a des millions d'années, ces êtres ont décidé de lancer un programme génétique nouveau.
C'est ainsi qu'est apparue la vie sur la Terre. Nous, les humains, nous ne sommes qu'une des facettes de ce programme. Une étape, en quelque sorte. Une étape presque dépassée. Eux savent exactement quel sera le futur de l'humanité. Mais nous, dans notre orgueil, nous croyons que nous sommes immuables. Nous ne sommes pas. Ce qui arrive à Sartorius le prouve. Sartorius ! Pour une raison encore indéterminée. Sartorius ! Sartorius a amorcé la prochaine mutation. Il est maintenant presque arrivé au stade où sera l'humanité dans quelques siècles. Cherchez. Mademoiselle Fletcher, il y a des données du futur que l'humanité ne doit pas connaître. Nous avons fait une erreur en vous contactant. Sartorius ! Sartorius ! Approchez les dieux. Ne bougez pas. Retenez votre respiration. S'ils vous découvrent, ils vous emmèneront. C'était là, sur les lieux mêmes où Ramsès voulait reconstruire la tour de Babel. Le jour et la nuit se succèdent. Je ne bouge plus. Seul mon cœur bat, irriguant mon cerveau. J'espère qu'il battra longtemps. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre.